Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On est parti pour vous les béliers, on va aller regarder qu'est-ce qui va se passer du 1er au 15 juillet inclus. N'oubliez pas que ça reste une interprétation générale, ok? Donc si le message vous parle, c'est que bueno. S'il vous parle pas, eh ben, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Allez, on est parti, on va aller voir. Waouh! Waouh, 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 le 9 de denier, oui, vous allez enfin, enfin accueillir cette richesse, cette abondance qui arrive à vous. Vous allez enfin, en tout cas, là on sent que vous allez cueillir ce que vous avez semé. Alors peut-être qu'effectivement, hein, pour certaines personnes, là vous allez voir le début de cette richesse arriver à vous. En tout cas, vous allez avoir des résultats très positifs par rapport à ce que vous avez mené par le passé, par rapport à ce que vous avez entrepris également, est-ce que vous avez mis en place. On sent qu'effectivement, là, durant ces 15 prochains jours, vous allez être un petit peu dans « je me la coule douce, je reste dans l'observation et je regarde les choses venir à moi, tout simplement. » Et je pense qu'effectivement, pour moi, ça va être intéressant parce que vous allez être dans cette forme de lâcher prise, vous allez être dans cette forme de « je regarde, je contemple et j'accueille ». J'accueille peut-être effectivement cette abondance qui doit arriver ou du moins cette récompense que vous avez méritée à l'heure d'aujourd'hui. Ok ? Allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe ici. Vous sortez la nature, le matériel, la duralité. Durabilité, la terre. Ouais, ok. Bon, ouais. C'est clair et net. Pour moi, là, c'est bon. Vous êtes ancré, vous êtes stable, vous êtes vraiment sur le bon chemin, ou du moins, vous êtes dans quelque chose qui va durer dans le temps. Vous êtes dans cette forme de, voilà, j'ai bossé, j'ai trimé, j'ai ramé, j'ai galéré, excusez-moi du terme, hein, moi je suis cash, ne l'oublions pas, je suis également bélier, hein, mais effectivement pour moi là, vous allez être vraiment vraiment dans cette forme de, voilà, je vais contempler ce qui arrive à moi, parce que ces derniers mois, voire ces dernières années n'ont pas été cool, n'ont pas été simples, hein, même si Jupiter a été dans le signe l'année dernière, mais là on voit vraiment qu'il va y avoir les bases solides pour pouvoir aller vers quelque chose maintenant dans les semaines et dans les mois à venir. Il y aura toujours des embûches, mais elles seront quand même, pour moi, je pense, moins importantes que ce que vous avez traversé dernièrement. Ok, allez, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer. Pour certaines personnes, je vous dirai également peut-être que ça va être intéressant là d'aller vous ressourcer, mais plus vers le côté terre, plus vers le côté campagne, le côté vraiment, on va recharger nos batteries, vraiment auprès des arbres, auprès de tout ce qui est vraiment dans l'ancrage au niveau de la terre, quoi. Ok, ah, on vous parle de sérénité. Waouh. Ouais. Une dame âgée. D'accord. C'est comme si, ce que je ressens là, il y avait quelqu'un qui vous surveillait de là-haut. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était en train, alors peut-être que c'est, voilà, hein, quelqu'un de votre famille, une personne très chère à votre cœur, qui est en train de vous... voilà, dame, ouais. De vous épauler et de vous envoyer tout l'amour inimaginable et possible et toute l'énergie dont vous avez besoin pour justement contempler cette richesse, contempler le travail que vous avez, le dur labeur, hein, le travail intense que vous avez semé ces derniers mois, hein, et on vous dit bien que ça y est, vous pouvez un petit peu vous reposer durant ces 15 prochains jours, ou du moins regarder ce qui va se passer autour de vous et sur votre compte en banque, bien évidemment. Parce qu'on voit bien, pour certaines personnes, ouais, repos, mais repos, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, côté plus forêt. Côté vraiment ancrage, côté arbre et tout ce qui s'ensuit, forêt, rivière, on sent, hein, que vous allez en avoir besoin pour vraiment vous régénérer, ok? Ouais, pour retrouver juste surtout cette puissance. Ok, il y a des écrits. C'est comme s'il y avait des messages, c'est comme si vous receviez des synchronicités, comme si vous receviez des... Je sais pas, après on y croit pas, mais des plumes, des heures miroirs, des numéros à trois chiffres, des coïncidences. C'est comme s'il y avait vraiment des messages importants que vous êtes en train de... que vous allez avoir durant ces 15 premiers jours de juillet en vous confirmant qu'effectivement vous êtes à la bonne place, vous êtes là où vous devez être. Vous voyez ce que je veux dire? C'est effectivement, c'est intéressant parce que pour moi je pense que oui, vous êtes là où vous devez être. Pour certains peut-être qu'ils sont encore en galère, pour moi là... ça va vous ouvrir des portes, ça va vraiment vous ouvrir des portes. Il y a des choses qui vont être menées de votre côté pour les amis béliers. Ok? Allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe depuis le printemps. L'enfermement.
Ok. C'est comme si là, bon, on parle d'abondance quand même, enfin, en d'autres decks. Hein. Effectivement, c'est avec ça, je dirais que oui, peut-être que depuis le printemps, vous avez vu les choses baisser, les choses un petit peu revues à la baisse, des choses qui n'avaient plus, voilà, vous avez un petit peu baissé les bras en vous disant, mais c'est pas possible, j'arriverai jamais, qu'est-ce que je vais faire, j'en ai marre, ça ne marche pas, j'en ai marre de mon boulot, je suis au ras des pâquerettes. Et c'est comme si vous étiez un petit peu enfermé sur vous-même, comme si vous n'aviez plus envie d'avoir accès à tout, et comme si vos énergies étaient un petit peu fermées, close, et que du coup, là, lors d'aujourd'hui, forcément, les choses ne se décantaient pas ou ne venaient pas comme vous le souhaitiez. Mais je pense que là, ouais, ces 15 premiers jours de juillet, pour moi, là, il y a quelque chose de... Voilà, enrichissant qui va se présenter à vous, qui va se mettre en place et que vous allez pouvoir un petit peu souffler, prendre de l'air, prendre du recul et vous dire ouais c'est bon, allez, j'y vais, je reprends un petit peu ma puissance, je reprends un petit peu mon élan hein, et j'arrête de me refermer sur moi-même et j'y vais. J'y vais parce que pour moi ça va être quand même prometteur. Alors je vous dis pas que vous allez gagner à l'euro million, qu'on soit bien d'accord. Hein. Mais pour moi, je pense que là, ces 15 prochains jours vont être riches et vont vous ouvrir des portes. Et je pense que, ouais, ça va se faire naturellement. Vous n'aurez pas forcément besoin d'aller forcer les choses. Ok ? Qu'est-ce qu'on nous dit ? Les projets d'avenir, voire loin, anticipés. Ouais, bon. C'est pas anodin. Ouais, croyez en vous. Franchement, croyez en vous. Ne baissez surtout pas les bras. Le succès, réussite. Accomplissement. Et en dos de deck, nous avons la même longueur d'onde. Ça va être fluide. Ça va être fluide. Laissez les choses se faire d'elles-mêmes. Là. Laissez les choses le lieu de vie. Ok. Laissez les choses se faire parce que pour moi, là, ça va être que du bonheur. Ça va être vraiment que du bonheur et accueillez. Accueillez vraiment, vraiment, vraiment. Allez, on va aller voir. On va tirer quelques petites dés pour voir un petit peu, le blé, la richesse, l'abondance, let's go. Là, franchement, dis donc, depuis que j'ai commencé les tirages, c'est que du bonheur. Hein. Ouais, on vous dit d'écouter votre sagesse, votre enfant intérieur également, de faire confiance un petit peu, hein, peut-être, à, comme je vous l'ai dit, à des personnes qui vous surveillent de là-haut. Et faites vraiment confiance, parce que pour moi, là, ça va être assez intéressant. Très, très intéressant. Et qu'est-ce que vous sortez ? Des nuages, ouais. Vous allez peut-être dans cette forme un petit peu d'émotivité, hein, vous, durant ces 15 premiers jours. Vous allez avoir peut-être justement cette émotivité qui va arriver parce que vous allez voir des résultats qui vont se concrétiser dans la matière et vous allez dire ouf, ouf, enfin, ça y est, mon tour est arrivé, je vais enfin cueillir ce que je dois cueillir à ma juste valeur. Vraiment, très beau tirage. N'oubliez pas quand même d'aller vous ancrer, d'accord, hein, et d'aller vraiment vous reposer et recharger vos batteries pour utiliser votre puissance. Pour que justement cette abondance et cette satisfaction arrivent à vous. Ok ? Allez, je m'arrête là pour vous les béliers. Je vous souhaite un excellent début du mois de juillet. Prenez soin de vous, surtout. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye bye.